J'ai même pas été capable de dire à Hera comment cuisiner les châtaignes. No, she actually didn't know how to. Yeah, We were checking a tutorial. that's exactly what I Okay. said. I don't know French. Voilà, shame on me. Et on est à l'aéroport de Stockholm et on vient de passer la sécurité et en fait je m'étais fait merde. Je disais que du coup je m'étais fait une petite boîte de riz et à la sécurité la dame l'a fait checker par trois personnes et elle est revenue en me disant est-ce que ça va être bon? Je dis oui. Et du coup, elle m'a dit, bon, gardez-le. Aujourd'hui, c'est une journée un peu longue. Là, il est 5 heures et on va partir à Göteborg, qui est une autre ville en Suède. Ensuite, on attend 4 heures là-bas. Et on prend un avion pour aller à Gdańsk, en Pologne. Et après, on prend enfin un vol pour Vienne. Pas écolo du tout. À Göteborg et on a fait une sieste dans un jeu pour enfants parce qu'il y avait des matelas un peu et c'était ultra confortable, ça fait du bien. Mais voilà, après il y a un petit qui est venu quand j'étais en train de dormir, du coup il s'est un peu demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite because she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby, because you'll be gone for a while. Wow. Suffering from first class cabin fever. 5 hour layovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Dernier vol de la journée. Like the tower out in Pisa.